Alors, quand je commence un paysage, je suis un peintre purement instinctif et je fais des lignes et des formes à mesure que le tableau progresse. Je ne me demande pas actuellement quelle couleur il va y avoir là. Ça vient comme ça. Maintenant, je fais un soleil, là. Plutôt que de prendre un compas, il est plus simple pour moi de prendre un bouchon d'un pot de confiture quelconque. J'espère que c'est de la bonne confiture. Bon. Alors, je travaille pour un paysage comme ça. Avec la spatule, parce que si je travaillais au pinceau, ce serait mou. Le pinceau est fait pour des effets d'ombre. L'ombre passe dans la lumière et ça fait le paysage, l'esprit du paysage que je fais doit être dur et violent. Donc, il n'y a que la spatule. Et qui, d'autre part, donne une couleur beaucoup plus pure parce qu'on n'a pas à laver son pinceau. Quand on lave un pinceau dans la térébenthine, il reste toujours un résidu de la couleur que vous avez utilisée avant, alors elle n'est pas pure. Donc, la première chose que je fais, c'est que je prends du vermillon et je fais le soleil pour construire. Une peinture, c'est une construction. Alors, c'est soleil dans de grands ciels. J'ai non pas appris, mais m'ont été inspiré par mes voyages en Europe. Quand je revenais d'Europe, très tôt le matin, au début du jour, au-dessus de la forêt du Labrador. Il y avait des soleils, enfin, extrêmement intenses, qui m'ont donné l'idée de peindre des tableaux de ce genre. Maintenant, je vous conte une anecdote. Un homme de Toronto, quand j'exposais à la galerie Roberts dans les années 60 et 61, c'était un très bon marchand de tableaux. Mais je suis arrivé chez lui un soir à 10 heures pour lui demander quelque chose. Il s'est choqué parce que c'était un bourgeois très tranquille et très paisible. Et il m'a dit, Monsieur Pichet, un gentleman comme vous ne devrait pas venir chez les gens à 10 heures. J'ai dit, merci monsieur, au revoir. On a eu du bon temps ensemble. Alors, je continue. C'est que j'avais vendu une immense toile de 36 pouces par 48, rouge et avec une montagne noire.
au vice-président de la Banque royale de Toronto. Et je disais toujours, quand je vendais une toile aux gens, vous êtes libre de la changer dans 2 ans, dans 10 ans, il n'y aura pas de différence de prix, même si la toile a monté de prix, si elle vous agace pour une raison ou une autre. Et je revois cet homme 5 ans après dans un vernissage chez Roberts. Il me dit, Monsieur Piché, il était très, très gêné, mais très poli. Il dit, ma femme, quand elle mange le matin et qu'elle regarde votre soleil, elle est dans sa ménopause et ça la rend malade. Un peu malade. Seriez-vous assez gentil de me changer le tableau? J'ai dit, évidemment. Et j'ai changé le tableau pour un tableau plus doux. Alors, je pose sur la toile maintenant un rose madère et je dois, avec cela, avec cette couleur, exprimer les rayons du soleil qui s'en vont dans toutes les directions. Mon Dieu, que c'est beau, l'auge. Je crois, sans exagérer, il faut aimer la couleur. Là, je change de sujet. Il faut aimer, c'est extrêmement agréable. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on fait un ciel aussi fort en couleur, on ne peut pas faire un paysage avec des couleurs faibles en dessous. C'est-à-dire que si, dessous, il y a une montagne, là, il y a une montagne d'arbres, et ça, c'est la montagne lointaine. Si je mettais des couleurs faibles, ou enfin des grisâtres, le tableau s'écrasait comme une vieille poche. Il faut imposer et faire croire aux gens que c'est comme ça le ciel. Et au début, les gens disaient, allons donc picher, il n'y a pas de ciel comme ça. Tu fais du chapeau. Et des années après, il y a des gens qui m'ont dit, on a vu ton ciel. On a vu ton ciel, c'est un ciel piché. Alors, n'est-ce pas, ils n'ont pas vu mon ciel. Le ciel n'est pas comme ça. Mais ils ont cru, ils ont fini par croire que c'était comme ça. Parfois. Pour moi, la peinture est un langage au même titre que la littérature, et qu'un langage doit être compris jusqu'à un certain point. Si on ne comprend rien, qu'il n'y a que des formes et des couleurs entremêlées, pour moi, à mon sens, ce n'est que de la décoration. Maintenant, je dois ajouter que dans le domaine de la peinture, beaucoup de gens achètent des peintures pour faire un décor. Et on peut croire que plus une peinture est chère, je viens d'en avoir une preuve à Toronto, mes peintures ont à peu près quadruplé de prix, plus les gens les achètent. C'est très curieux. C'est la dernière peinture que je fais, je me suicide. Dans une peinture, en général, il faut 3 plans. Le ciel, la montagne, le bois et ça, ou 4. Si je n'avais pas mis ça ici, cette montagne bleue, et seulement le noir, ça aurait été trop plat. Alors, ceci donne une distance à la toile. C'est ce qu'on peut appeler une toile agressive, mais agressive par ses couleurs, certainement. Mais je suis, il n'y a pas de problème, parce que je suis un homme très agressif. Je ne sais pas où sont les limites chez moi de mon côté agressif, mais je suis extrêmement agressif. Il faut constamment que je me retienne pour ne pas faire ce qu'on ne doit pas faire. Bon, là, je vais signer Piché. RCA, c'est le
sont les initiales de membres de l'Académie royale du Canada, dont je fais partie depuis 1960. Voilà cette peinture qui représente le dernier moment de l'automne et l'année, j'ai déjà commencé. Maintenant, les peintres ne se parlent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont de plus en plus jaloux de leur clan à soi et parce qu'ils sont trop nombreux. Comme ils ne se parlent plus, ils n'ont pas cette quête, cette recherche d'identité, d'être canadien. Alors, le fond de l'art, pour moi, c'est d'exprimer une émotion. Mon émotion à moi, j'habite un pays où l'hiver est très long, donc c'est un pays nordique, donc pour moi, et d'ailleurs, le groupe des sept qui constitue pour moi le groupe le plus canadien au point de vue identité qu'il n'y a jamais eu, s'est influencé légèrement de la peinture finlandaise, et non pas de la peinture française. Quand je voyais des peintres, c'est-à-dire à l'époque de 1939-40, quand Pelletan est revenu, peindre comme Matisse, avec une eau bleue très, très légère, quand ici l'eau est d'un bleu tenace et violent, je disais, c'est de la bêtise. On nous montre une image de Technicolor, de cinéma. C'est pas ça. C'est pas de la peinture d'ici. Alors, j'ai été récemment voir ce qu'on appelle son alma mater, la Galerie nationale, avec ma fille l'an dernier, et j'ai vu dans la salle, ça a été construit à coups de millions, c'est un immense édifice, magnifiquement fait, heureusement, mieux que Beaubourg, où j'ai vu des toiles, pas des toiles, non, des choses, qu'on appelait des œuvres d'art, et qui était juste ici une rangée de boîtes, une boîte suivant l'autre, sans aucun intérêt. J'ai regardé ça. Les gardiens qui faisaient la tournée me regardaient parce qu'ils me connaissaient encore et que je parle très fort quand je suis dans une galerie. Ils ont dit « qu'est-ce qu'il va faire picher ?» J'ai dit « je n'ai rien fait, je regrette, j'ai honte, j'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû donner un coup de marteau dedans ou un coup de masse, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'évidemment, j'aurais été en prison, je n'avais pas le temps. Mais quand j'ai vu la Galerie nationale construire un musée qui a coûté, je pense, 150 millions, 200 millions de dollars, et exposer des choses aussi insignifiantes, ça pourrait, si on faisait un dictionnaire ensemble, on aurait juste à montrer ça, au mot signifiance, et on aurait la définition picturale du mot. Alors, j'ai vu ceci, je n'ai que quelques photos, j'ai vu ceci, là, ça c'est du Molinari
qui vient de Mondrian il y a longtemps en Hollande. Alors, ce sont des barres verticales, rouges, vertes et bleues, faites à la règle. Il n'y a pas une goutte de peinture qui dépasse. C'est comme un tapis vertical au mur. Sauf que ce n'est pas un tapis, on ne peut même pas se coucher dessus. Alors, je trouve ça encore idiot. Et ceci est le bonbon sur le gâteau, que j'appellerais. Ça s'appelle un genre de pop art. Et vous voyez un cornet de crème glacée sur un cube peint avec une espèce de chapelet qui descend. Alors, j'ai vu ça. Je suis devenu furieux, vraiment comme une bête sauvage. J'ai dit c'est impossible parce que ça n'existait pas quand j'étais à la galerie, ces choses-là, quand même. Et puis, j'ai vu ceci, enfin, une clôture pour mettre une espèce de clôture en bois pour mettre des chèvres ou des moutons, mais il n'y en avait pas parce qu'évidemment, ça aurait donné beaucoup d'ouvrage aux gardiens de faire le ménage ou aux conservateurs. Alors, c'est ce que j'ai vu en entrant à la Galerie nationale. Et en même temps, horreur, ô horreur, aurait dit Corneille, il y avait une exposition de Degas un peu plus loin. Alors, comment peut-on mêler Degas, qui est un des derniers grands peintres du 18-19e, avec des choses comme ça? Je l'ignore. J'ai commencé à peindre très tôt, à l'âge de 7 ans. Je peignais surtout des chevaux que j'adorais pour leur forme et qui, pour moi, ressemblaient à des femmes à ce moment-là. Pour moi, le cheval était une femme. Ça peut sembler très curieux, mais par les formes de sa croupe et de ses jambes arrière, ça représentait une femme. Je peignais beaucoup de rouge, j'ai toujours adoré le rouge et les couleurs violentes, parce que je crois que les couleurs vont avec le caractère et que j'ai un caractère plutôt violent. Et nous avons connu Albert Camus, qui nous a parlé longtemps et nous a invités à manger à Cannes. Et la première preuve que j'ai eue, parce qu'on ne se croit jamais intelligent lorsqu'on est enfant, la première preuve que j'ai eue, ou la première idée que j'ai eue que je n'étais pas un imbécile, c'est lorsque j'ai discuté d'un livre avec Albert Camus, livre qui s'appelait « La 25e heure » de Cyril Georgiou. Et j'ai fini, j'étais une tête dure, et je suis resté une tête très dure, par persuader Albert Camus que l'auteur, Georgiou, avait trop arrangé son roman pour que tout le monde se rencontre et que le roman avait l'air fabriqué. Et finalement, à force de boire du vin, de manger de la langouste, c'était le menu, Camus m'a dit, « Monsieur Pichet, vous avez raison. » Et là, je suis venu rouge, comme une tomate peut être rouge, de me faire dire par un homme comme Camus, à l'âge de 20 ans, que j'avais raison. Et j'en ai gardé un orgueil qui, depuis, heureusement, a diminué. Sans ça, je serais moi-même une tomate, n'est-ce pas? Une tomate d'orgueil, avoir pu convaincre un grand écrivain, moi qui avais enfin lu relativement peu de choses, un écrivain et en même temps philosophe, que j'avais eu raison dans une discussion avec lui. J'ai quitté le musée parce que je me suis chicané avec le sous-ministre qui s'appelait Guy Frégaud. Paix à son âme parce qu'il est mort. Quand il est mort, j'ai dit quelque chose de pas gentil que je ne dirais pas à la télévision. Et la raison de notre discussion et de notre conflit était qu'il voulait faire une exposition de bijoux de Dali. Et moi, je voulais faire une exposition de portraits canadiens anciens d'Antoine Plamondon, de Théophile Hamel et de tous ces peintres du 17, 18 et 19e siècle qui ont peint ici, que je croyais plus importante que l'exposition des bijoux de Dali,
qui, d'accord, était intéressante, mais qui aurait pu venir beaucoup plus tard. C'est toujours l'histoire d'une colonie que nous étions, et même si on prétend qu'on est une société distincte, je crois qu'on est encore une colonie à beaucoup d'égards, on est toujours porté à admirer plus ce qui vient d'ailleurs que ce que nous faisons. Alors, j'étais complètement contre cette idée. Alors, j'ai démissionné. Non, j'ai été congédié cette fois-là. J'ai exposé à Toronto en 60 la première fois. M. Wildridge est venu me voir à l'île d'Orléans, le directeur de la Galerie de Toronto. Il m'a dit, exposeriez-vous chez nous? Jean-Paul Lemieux m'avait recommandé. Et j'ai exposé chez lui des toiles très, presque abstraites, une ligne horizontale, un grand ciel rouge ou un grand ciel vert, des sapins qui dépassaient le ciel, enfin qui dépassaient la ligne des sapins. Et j'ai eu, à ce moment-là, beaucoup de succès, spécialement avec les critiques ontariens, dans le Star avec Robert Fulford. J'ai exposé à la galerie Roberts, qui était une des très bonnes galeries de Toronto, trois fois. Et je vendais toutes mes toiles. Et je raconte une histoire courte. Il y a un homme très riche qui a acheté une immense toile de moi, qui était une toile de 36 par 48 pouces, je crois, et qui l'avait posée dans sa salle à manger. Et je disais toujours au directeur de la galerie Roberts ce que disent peu de peintres, parce qu'en général, je dois vous dire, à ma courte honte, que les peintres sont plutôt mesquins. Comme d'autres gens sont mesquins, il y a des notaires mesquins, etc. Alors moi, je disais, si vous n'aimez pas la toile au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, si quelques couleurs vous fatiguent, vous le dites au patron de la galerie et je vous change la toile sans que la toile ait monté de prix ou non, pour le même prix que vous l'avez acheté, sans que vous n'ayez à rien débourser. Alors ce monsieur, je le rencontre à peu près à mon dernier vernissage de la galerie Roberts, et il me dit, c'est un gentleman très, très racé, très torontois, et il me dit, Monsieur Pichet, ma femme trouve le soleil rouge sur la forêt noire un peu trop fort, un peu trop ardent, et comme elle est assez âgée, ça la fatigue. Vous m'avez offert de changer la toile, me feriez-vous une toile plus douce? J'ai dit certainement. Certainement, monsieur, avec plaisir. Moi, j'étais content de récupérer la toile plus violente, et lui était très content d'avoir une toile plus douce. En général, à cette époque-là, il y a des gens qui me parlaient des toiles, et c'était des toiles, je pourrais dire infernales, sans exagérer. C'était noir, rouge, parfois jaune, les ciels complètement jaunes, jaune citron. C'était vraiment très agressif, très agressif. Je dois dire qu'on était un groupe de peintres qui se connaissaient. J'ai partagé un atelier avec un peintre qui s'appelait Edmund Alline pendant 2 ans, et que les peintres entre eux se détestent, enfin sont amis, mais se détestent ou détestent la peinture de l'autre. C'est presque forcé parce que, à moins qu'ils se copient, ils font des choses contraires. Alors, tu demandes, on ne peut pas demander à un peintre, aimes-tu ma peinture? Il va dire, c'est affreux. Si lui me demande, est-ce que ma peinture est bien? Je vais dire, c'est affreux, c'est mou, c'est une copie, c'est ça, c'est ça. De toute façon, au point de vue copie, j'avais l'avantage sur les peintres de ma génération d'avoir été dans plusieurs musées, d'avoir voyagé énormément et d'avoir lu à peu près tout ce qu'il y avait comme revue d'art. Alors, je pouvais deviner dans telle peinture
telle partie qui influencée de Jackson Pollock, par exemple, ou d'un autre, ce qui les mettait en furie. Heureusement, leur furie n'allait pas jusqu'à la bataille parce que j'étais très fort physiquement. On m'appelait, à cause de tout ça, on m'a appelé à Québec l'enfant terrible de la peinture parce que je jouais des tours, parce que j'ai exposé parfois des trucs innommables, des palettes renversées, une palette à peindre renversée sur une toile qui faisait une abstraction avec des belles couleurs dans le fond, mais qui ne valait rien parce que c'était un truc, mais que les gens disaient c'est magnifique, c'est très beau. Parfois, j'ai enregistré avec les enregistreuses du temps ce qui se disait, parce que dans une des galeries, il y avait des rideaux. Alors, je me cachais derrière le rideau et j'écoutais ce qui se disait, et quand c'était des bêtises, j'enregistrais. Et après ça, je faisais entendre ça aux mêmes gens. Alors, on m'aimait bien, mais on me détestait bien. C'était égal. Alors, avec tout ceci, j'ai fait une vie intéressante. Je me suis bien amusé. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et je crois que ce qu'il y a de pire quant à la Galerie nationale à laquelle je reviens, c'est que ces gens-là avaient honte des peintres qui exprimaient le pays. Avaient honte, par exemple, du groupe des sept, Carmichael, Thompson, Varley, parce qu'ils représentaient le pays, selon eux, d'une façon trop nationaliste avec les éternels sapins. Mais on n'a pas de palmiers ici, alors il y a des sapins, c'est des sapins. Des Français comme Monet, comme Sisley, comme Pissarro ont peint des peupliers, ont peint des saules, ont peint des arbres de France. Comme ce cher M. Gorbatchev a admis que le communisme était un désastre depuis longtemps, ici on n'ose pas. On dit c'est bien, il y a des choses à corriger, on ne corrige pas, il n'y a pas moyen de corriger. Alors, je crois qu'on est vraiment un pays faible dans le sens qu'on n'admet pas que ce qui est vraiment original d'ici est la valeur primordiale. Mais aujourd'hui, comme je le disais, on veut toujours faire plus nouveau pour épater. Alors, il y a eu Dali, il y a eu Picasso, il y a eu Calder. Maintenant, il y a l'art actuel, il y a l'art concret, on peut tout voir. J'ai vu le musée Beaubourg à Paris. C'est vraiment ce que j'appellerais un bordel de l'art, parce que il y a tout et il n'y a rien. Il y a des morceaux de poussière, il y a des tas de poussière comme ça amoncelés à terre sur un tapis vert. Et on appelle ça une œuvre d'art, et c'est marqué par un tel, etc., daté. Et quand je suis arrivé là avec ma femme, j'ai fait un discours vraiment très élogieux de ces choses-là, en disant que c'était fantastique, en disant que jamais je n'avais rien vu de tel. Et une des assistantes conservatrices, sans doute, s'est approchée, parce que je parlais très fort, comme j'avais plus de force que maintenant, ou j'étais plus fantasque. Et puis est venu me féliciter d'admirer tellement ces choses-là. Et j'ai ri, j'ai dit, non, madame, je trouve ça vraiment affreux. Je trouve ça épouvantable, innommable. Alors, Georges Pompidou, j'ai questionné pourquoi, parce que je connaissais des Français, ayant vécu 2 ans en France, pourquoi ça avait été fait avec les tuyaux. On voit des tuyaux d'égout, on voit des tuyaux d'eau, on voit tout. C'est parce qu'on s'est imaginé que les Français du peuple serait plus à l'aise qu'au Louvre, où il y a les chefs-d'œuvre, la Mona Lisa et les noces de Cana, etc. Et surtout que le Louvre représentait la royauté et que le peuple n'aime pas le roi, les rois, depuis la Révolution française. De toute façon, l'art aujourd'hui, en 1989, si vous voyez les galeries de Toronto, de Québec, de Montréal ou de tout ça, ce qui m'épate, c'est qu'avec tant de prétention à la variété, à l'originalité, si vous regardez en clignant des yeux un peu tout ce qu'il y a sur les murs de ces
des musées et vous en faites un souvenir visuel, tout est à peu près semblable. Tandis que vous regardez une exposition d'art hollandais, des intérieurs de Vermeer, personnages de Frans Hals, les gravures de Rembrandt, il y a plus de diversité dans trois peintres de ce siècle dont je parle qu'il y en a aujourd'hui. Parce que ces gens-là, il y a des raisons sociologiques, mais il y a des raisons aussi, ces gens-là voyaient moins de reproduction, étaient moins en communication avec le monde qu'aujourd'hui, où on sait tout immédiatement, il vient de se faire telle chose, un Dali s'est vendu 97... Non pas un Dali, mais un Van Gogh vient de se vendre 97 millions, il n'a vendu qu'une toile dans sa vie, 125 $, un Picasso vient de se vendre 40 millions, alors un tel vient d'inventer un style avec du fer, un fer forgé spécial, alors ça devient un méli-mélo assez